pressure on her. Thank you, Ralph. Thank you, Ralph. I put the pressure on her. Me. Pressure on him, stepping on him like he's stuck in the sand. These niggas not your homie, been around cause he really a fan. Don't plot, get you hit with your mans. Have him stiff like he just popped a Zan. I put cards, I ain't talking a scam. I'm an artist, I don't paid on the cam. I put the pressure on him, stepping on him like he's stuck in the sand. These niggas not your homie, been around cause he really a fan. Don't plot, get you hit with your mans. Have him stiff like he just popped a Zan. I put cards, I ain't talking a scam. Ça fait longtemps, enfin je vous la montre sur YouTube. Je l'ai pas montré encore. On se retrouve, bah, je vais tenter de faire de la mécanique en vidéo. Je vous ai toujours dit que je le ferais pas vu des avis, mais bon, aujourd'hui je vais pas faire de gros trucs. Mais voilà. Donc là, ce que je vais faire, il m'est arrivé 2-3 couilles. Yes, il m'est arrivé 2-3 couilles sur la route là quand je viens de revenir. Bref, j'avais perdu cette vis, filetage mort du carter. Donc là, ce que j'ai fait, bah, j'ai foutu un genre de film autour de la vis, parce qu'elle se revit finalement. Là je veux foutre une vis mais juste plus longue, donc ça je pense pas, je vais vous le montrer. Le carbut est bouché, enfin je pense. Bref, j'ai pas d'essence qui arrive comme il faut, donc ça faut que je demande pour voir. Faut que je fasse la vidange du coup, vu que la vis s'est barrée. Et que je refasse ça, le blanc là, que je remette une vis. Et on est déjà pas mal. C'est pas des gros trucs, j'ai pas envie de faire de gros trucs, j'attends de voir les retours de cette vidéo. Et puis on verra après. Voilà. Ceux qui ont pas vu le paillette, vous voyez pas très bien en vidéo comparé en vrai. Tout le monde me le dit qu'en vrai ça se voit plus, mais voilà. Bref, je l'ai lavé avant parce que du coup, franchement, avec le temps, la bouillasse. Donc on commence par démonter le carbu et on verra après ce qu'il a. Je pense qu'il est juste bouché, il l'a déjà fait. Enfin, il me l'a fait le jour où j'ai acheté la moto. Je vais vous parler du carbu après parce que c'est un wish pour ceux qui se demandent. Je sais qu'il y en a plein qui hésitent à en prendre. Et bien je vais vous donner mon avis. Après j'ai peut-être eu de la chance, j'ai peut-être eu pas de chance. Mais je vous donne mon avis après. Bref, nous voilà avec 3 carbus. Là on a un 28 PWK basique, je crois que c'est un AliExpress. On me l'a donné. Un 26 Poligny et le 32 Wish de la marque quelque chose. C'est un truc. Non, je crois que c'est KSD, enfin c'est un truc du style. Bref, à la base pour l'histoire je voulais un 32 Sun. Mais je me suis dit, je commande ça sur Wish, c'était à 30 balles je crois. On verra bien ce que ça donne. Et je l'ai reçu déjà. Le boisseau, c'est le même que les Sun. La grosseur du carbu, c'est le même que les Sun. C'est vraiment un 32 pour ceux qui se demandent si... Si, voilà, genre. Mais c'est vraiment un 32. Voilà, j'ai... Oui, mais c'est... En sortant que c'est rouvert. Bref, c'est vraiment un 32. Là j'ai un 26 Poligny. Donc je vais vous démonter les deux pour comparer, que vous voyez vraiment que c'est pas tant de la merde finalement. Et j'étais plutôt étonné moi en vrai, parce que niveau réglage, ben, j'en ai vraiment pas chier, j'ai mis même pas une après-midi, enfin j'ai vraiment j'en ai, et elle est réglée vraiment nickel, un peu être grasse mais c'est ce que je veux. Et voilà. Trouver ce qui me gênait je crois. Pas d'où ça vient. Merde, j'ai perdu mon axe de boisseau de flotteur pour un abruti. Bref, de carbu. Ce qu'il y a à savoir, quand on reçoit le Wish, on le reçoit pas avec des gicleurs PWK basiques, on le reçoit avec des petits comme ça, c'est ce qu'il y avait à la base. Mais ils vous en fournissent 3 principaux et 3 de ralenti avec le carbu, et ça c'est cool. Mais bref, du coup, pour comparer avec le Poligny, ben franchement, rien à dire. C'est vraiment... Moi, j'étais choqué quand même. Vraiment, c'est hyper bien fini. Il y a juste ça, moi, qui me dérange un peu. L'arrivée d'essence, elle est pas énorme, genre. Il y a que ça qui me dérange. Bon, après, ça tourne très bien. J'ai pas eu de soucis. Bref, je vais démonter ce gicleur-là pour nettoyer cette merde, là. Je vais tout le démonter pour le nettoyer. Mais enfin je vais vous montrer comment je fais, après moi je suis rien de fou, hein, tout le monde sait faire ça. Mais bref, l'avis de ce. Enfin perso de ce carbu, finalement j'achète pas de 32 Sun, hein, je le garde vraiment, je le garde. C'est vraiment un truc de ouf. Il est hyper bien fini. Mais voilà, faut régler. Après je l'ai reçu, j'ai dû régler le niveau de cuve, nanana, mais ça c'est pas des. C'est des choses qui arrivent même sur des carbus de grosses marques. Bref, pour ceux qui bougent ces choses là aussi, je voulais vous dire.
qui bouge ça, ça, les deux trucs qui ressortent là, toutes les petites tétines, c'est des grosses conneries, c'est des mises à l'air. Je sais que ça ressort par là des fois, mais c'est des mises à l'air pour la cuve et c'est fait que les seins s'arrivent bien. Donc ne bouchez pas tout, il vous faut toujours une. Alors faut souvent laisser celui-là. Plus ceux-là, vous pouvez les boucher même si ça sert à rien. Mais voilà, je voulais vous le dire et voilà. Ou la bonne clé si vous avez, c'est du 7 il me semble, ou du 6. Et voilà, le gicleur de ralenti, un petit plat, et pour ça, ben, hop, un petit coup là, l'axe va sortir. Vous le prenez de ce côté, vous sortez le flotteur. Et après on nettoie tout ça avec une soufflette du nettoyant frein. Et carbu tout neuf. Cœur principal de 142. Peut-être elle marcherait un peu plus fort avec un 140, mais je préfère garder ça pour que ce soit plus fiable. Dans les tours, elle est grasse et c'est ce que je veux. Je préfère qu'elle soit grasse quand je fais une pointe ou quelque chose, plutôt que comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, quand je dis ça, c'est dans le... C'est beaucoup de gens qui serrent comme ça. Qu'elle soit bien réglée en fait en général, mais dès qu'elle monte en haut, elle finisse un petit peu pauvre et ça suffit vraiment à faire serrer un cylindre. Et au prix des cylindres que je mets, j'ai pas vraiment envie de faire comme le fast, serré pour des petites merdes au final. Bref, je vais passer un coup de nettoyant frein un peu partout qui devienne propre. On va le remonter. Je vais vous montrer comment je vais rattraper le petit carénage là, le petit pet de peinture. Et après voilà. La vidange, je vais pas vous la filmer, tout le monde sait remettre de l'huile dans un moteur. Voilà. Bon, carbure montée, je vais quand même vous montrer un truc pour remettre de l'huile. Parce que pour ceux qui ont des gros carbus, voilà, qui veulent pas se faire chier à chaque fois, sur Derby c'est la merde. Mais vous avez ça, là, c'est chiant, c'est nul, c'est claqué au sol. Alors beaucoup doivent le savoir, mais je le dis quand même pour que ça se fasse pas. Vous enlevez votre galette là, vous l'enlevez, et vous mettez l'huile par là, et au moins c'est moins chiant. Ce petit pet de peinture là, pour ceux qui ont des carénages peints et que ça fait ça. Pour ceux qui savent vraiment pas, il vous faudrait de la peinture noire, n'importe laquelle, hein, ça se verrait pas. Un petit pinceau et vous faites une retouche, on appelle ça. Et ben, vous la faites quoi, vous peignez comme au collège. Hein. Et puis, magnifique après. Bon voilà, je vais la démarrer, voir si c'était tout bien ça. Restez indulgent, on va dire. En vrai, je suis sceptique de vous sortir une vidéo comme ça. Même si je fais pas de grosses choses. Je me demande si vraiment... Ceux qui ont des critiques à faire, je peux me tromper, hein, c'est clairement, je peux me tromper, j'ai le droit, hein, je suis loin d'être professionnel. Si vous avez des trucs à dire, dites-le pas, ouais, en mode, non, c'est pas ça, tu fais de la merde. Essayez d'expliquer que les gens comprennent mieux, quoi. Pas en disant, ouais, toi, tu pues la merde. Je viens de voir qu'en passant un coup de karcher, mes vis, le rouge est une achave. Donc je vais repasser mes vis en rouge. Et bref, voilà, essayez d'être constructif pour ceux qui... Si je me suis trompé quelque part, on va la redémarrer, voir si tout va bien. Et puis je vais essayer de vous foutre un petit plan en GoPro si la vidéo n'est pas trop longue. Et voilà. Allez, bisous.